attendez. Ah. Ok. Ouais. Je prends l'arme. Contre le mur. Bonjour. Bah, il y a des coups de feu. Hein. Y a, là, il y a des coups de feu là. Donc, c'est lui qui a tiré. Lui qui a tiré. Et lui qui a récupéré l'arme. J'ai glissé, chef. Ah, 250 euros, ça va. J'ai juste perdu le bénéf, quoi. Libérez. Libérez-moi. Oula. Je crois qu'il y a eu une fusillade. Il y a un peu de sang sur les murs là quand même. Ah mais là aussi. Bonjour. Ah de Dieu, j'ai la hanche qui se tient. Qui c'est ça? Vous êtes cuisinier? Oui. Donc vous cuisinez? Oui, je vends de la pizza marquée à l'extérieur. Mais c'est un écran culette ça. C'est un 55 pouces ça. Je le reconnais. Oh, je connais ça. Ah ouais, j'ai le même chez moi. Musée Siwang Casino. Doublez votre mise plus de 3 jeux différents. Il y a un casino au musée. Mais c'est lourd de fou. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Jeu de quilles. Chance. Ok, c'est de la chance. Misez de 200 à 750 et doublez votre mise. Waouh. Je vais tester, c'est lourd. Bonjour. 3 et 4. 4 quilles monsieur. Allez-y. Waouh, c'est un bowling. Faut qu'elle passe. C'est trop lourd. Ouais. Vous avez quoi comme jeu? On a une sorte de roulette russe. Vous misez une somme. Je cache une statue derrière la case. Vous dites quelle cage. J'enlève le mur. Vous voyez si vous avez tombé sur la bonne case. Sinon, si oui, je double votre somme. À chaque fois, c'est doubler votre somme. Hein. Vous misez le jeu d'armes. Vous avez 10 secondes pour détruire toutes les cibles. Je vous fournis le silencieux, l'arme et les balles. On a un jeu de quilles avec une radio. Vous lancez la radio sur les quilles. Et on a un jeu sur le four. Vous avez posé les quilles sur le four correctement. C'est sympa. C'est quoi le jeu caché? Vous pouvez me montrer? C'est le jeu de tir, viens voir. Qu'il est dans le sous-sol parce que il dérange les voisins. Ça peut être dangereux. Et si les polices font une descente, on vous fait signer un contrat, c'est nous qui prenons la totale responsabilité. D'accord. Donc tenez le contrat. C'est un contrat anti-trahison, donc il est totalement légal. Fait que si vous nous trahissez, ça vous retombe dessus, signez-le. Du coup, c'est 10 secondes et il y a 10 cibles, c'est ça? 9. D'accord. C'est faisable en vrai. Voilà, je suis un peu pauvre en ce moment. À mon go, vous y allez. Préparez-vous à tirer. Préparez-vous. Ok. 2, 3, voilà. Go! Ok, je vais retenter le coup. Attendez, je replace les quilles. Arrivé, c'est quoi pour t'aider, je t'en enlève 2. Ok, je vais miser plus du coup. J'ai pas compté le deuxième essai quand vous l'avez raté. Top. Allez-y. Bravo, ouais. Ah, je vais regarder, ça a l'air sympa. Bon alors, allez-y. Alors attendez, je l'ai pas beaucoup géré ce jeu. Oui. Je vais mélanger. Ah oui, il faut trouver l'objet. Alors, non, attendez. Je gère pas beaucoup le... attendez. Je le gère pas beaucoup ce jeu, c'est pour ça que j'ai du mal. C'est quoi, c'est une barre de traction? Non. Hep. Monsieur, on triche pas là. Ok, allez-y, vous misez combien monsieur? Ok, très bien. Hop, commerce. Oh non. Bon, vous avez gagné. C'est pas très au point. Il est fou lui. C'est un frigo ça. Oh, il y a un Picasso. Donc ça c'est le bowling, là c'est un jeu d'équilibre. Là c'est un jeu de chance, voilà. Bah je vais essayer le bowling. Bon, le bowling. Du coup faut tout faire tomber, c'est ça? Le jeu de chance et le jeu de bowling sont c'est pas de la chance, mais c'est compliqué. Alors le bowling, voilà, vous avez des quilles, vous avez une petite télé. Bon, c'est une boule de bowling, d'accord, ça se voit. Une boule de bowling carré? Ah ouais, vous avez vu? Vous allez voir, ça se lance bien, ça se lance bien. Donc l'objectif, c'est de prendre notre petit gravity gun, télé, et vous allez la lancer sur les petits vases. Vous lancez la télé, tant qu'elle dépasse pas la barre, vous pouvez continuer à lancer. Voilà. D'accord, c'est donc n'hésitez pas à vous entraîner là, 3 coups. Il faut qu'il y ait maximum 2 quilles de tomber. Merde. J'ai enlevé une quille. Oh putain, c'est galère. Allez-y. Ah ah, je suis claqué. Oh. Ah, allez. Ah, c'est dur, hein. Allez-y, tant que ça dépasse pas la ligne, vous pouvez. Okay. Ah, bon. Ah, bah non, bah monsieur. Bon, bah écoutez, c'est pas bien grave. Mais c'est pas grave, vous avez quand même réussi à dégommer 2 quilles, c'est bien. Ok, on y va. Attendez, moi je vais faire un essai aussi. J'ai jamais essayé mon jeu. Hein. Ok, allez-y. Bah, si t'en rates une, c'est chaud après. Est-ce que t'as mis le silencieux? Ok, concentrez-vous, monsieur. 1, 2, 3, go. Oh, attention. Allez, monsieur. Plus vite. Terminé, désolé. Ah, il veut recommencer. Ok, ben, je remets l'équipe. Je vais devenir un employé du casino, moi, si ça continue. J'ai l'arme là. Ok, ouais. Je prends l'arme. Contre le mur. Bonjour. Bah, il y a des coups de feu. Hein. Là, il y a des coups de feu là. Donc, c'est lui qui a tiré, et lui qui a récupéré l'arme. J'ai glissé, chef. Ah, 250 euros, ça va. J'ai juste perdu le bénéf, quoi. Libérez-moi. Ah, je suis libérable. Pizzeria.com. Ouais, chef. Ouais, c'est ici, pizza.com. Oui, c'est ici, monsieur. J'aimerais manger, s'il vous plaît. Allez-y, rentrez. Faut quoi, monsieur? Du coup, une pizza, s'il vous plaît. Ça marche. On va voir des baguettes aussi, c'est au cas où. Ah, des baguettes, pas mal. Merci. Je vous dois combien? 100 $, monsieur. Ok, voilà, monsieur. Merci, chef. Bon appétit. Bonne journée. Merci à vous aussi, à bientôt, peut-être. Il y a des pizzeria.com partout dans cette ville. Ok, bah, je vais retourner au casino. Faut quand même qu'ils me rendent mon argent. J'ai payé 250. On voudrait être remboursé, s'il vous plaît. Ah, j'ai vu avec ma collègue, il l'a fait, je crois. Donnez-moi votre idée, votre carte d'identité pour que je... Alors, Curtis et Alex Boss. Attendez, mais je vais prévenir ma collègue, je reviens dans 2 secondes alors. Et du coup, vous allez maintenir le jeu de tir? Parce que c'était vraiment cool. Concernant le stand de tir, c'est moi qui ai fait la...
la connerie. Bah oui, a priori la police nous a dit que vous avez laissé rentrer tout simplement, les agents. C'est moi qui les ai fait rentrer. Alors qu'ils avaient pas de mandat, ils avaient rien, je les ai fait rentrer comme ça. Bah ouais, c'est dommage. Donc moi j'ai cru que ça venait vraiment de l'arrière, mais c'était vous qui tiriez dans le stand. Monsieur, excusez-moi de vous déranger, monsieur. Oui. Monsieur, excusez-moi de vous déranger. Actuellement j'ai des gros problèmes d'argent et des soucis de santé. Et en fait, moi aussi, ça tombe bien. Je vous demande. Comment ça, ça tombe bien? Bah j'ai exactement 6000 euros. Honnêtement, monsieur, si vous me donnez 1000 euros, ça me ferait chaud au cœur. Honnêtement, 1000 euros, je vous demande que ça, 1000 euros, c'est tout point. Ah, si je vous donne 1000 euros, ça vous ferait chaud au cœur? Honnêtement, oui. Et si je ne les paye pas, je risque la prison. Il parle tout seul. Il est fou. Ah, si j'ai que 6000 euros, je peux pas dépanner d'argent. C'est fini. Je suis pauvre. 100 euros la pizza, 600 euros le colis. C'est quoi des euros, monsieur? Yep, excusez-moi, j'étais dans ma tête, donc plus de deux. C'est quoi des euros? Par exemple, dans mon ancienne vie, j'étais un clochard et je disais un euro, s'il vous plaît. C'est pour ça. D'accord, c'est des zoulous. Des zoulous. Yep. D'accord. Ok, bah merci, alors, monsieur. Y a aucun... Et par exemple, si vous dites 600 fois le mot ouro, vous pouvez avoir un colis gratuit. 600 fois? Si je dis 600 fois ouro, j'ai un colis gratuit. Ouais, c'est un peu long quand même. Ah, à vous de voir. Mais c'est une bonne idée, bonne idée. Franchement, j'aime bien les idées comme ça, là, innovantes. Ah, ça va ou quoi? Oula, bonjour monsieur l'agent. Et toi? Bonjour, je suis un agent. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? S'il vous plaît, mon printemps. Oula. Messieurs. Oula, ça va pas vous? S'il vous plaît. Appelle la police, appelle la police. Ah, vous ferez gaffe, vous avez un pigeon sur l'épaule. Tu m'as vu dans le ciel, les gars, je suis comme c'est.